Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo. On va appeler ça haul cadeau, cadeau d'anniversaire plus précisément, que j'ai eu à ma fille Manon. Donc, comme je vous le disais précédemment dans une vidéo, mon anniversaire était le 4 mars. Et quand elle est venue manger à la maison, j'ai eu des cadeaux. Et bien sûr, Manon connaît tout à fait mes passions. Et donc, j'ai eu des toiles de diamant painting, donc déjà celle-ci. Donc c'est une 30 par 40 et c'est un peu, on va dire, mandala mosaïque. Donc je suis curieuse de voir ce que va rendre ce tableau-ci, puisque j'ai jamais vraiment travaillé sur ce genre de toile, on va dire, de faire du mandala. Donc voilà, on vous montre à l'arrière le dessin entier qu'on va retrouver sur la toile. Alors, on nous montre aussi tout ce qu'il y a dans la boîte pour effectuer son diamant painting. Et on nous donne quelques petites instructions. Et nous avons, alors, en français, sachet de strass, stylet, coupelle de tri, cire, silicone, toile adhésive avec motif imprimé et notice d'utilisation. Et c'est vrai que chez Action, ce que j'aime chez eux, c'est que on a une notice. Ça, c'est sympa, une petite feuille de route comme on appelle souvent pour nos diamants de painting. Alors, je vous sors déjà ce projet-ci. J'ai trois projets à vous montrer. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, ce que j'aime, c'est que voilà, il est emballé, bien protégé comme d'habitude, et en plus c'est couvert d'un film plastique transparent au niveau de la toile, donc c'est vraiment super. Donc en ce qui concerne les prix, j'ai voulu aller me renseigner un peu pour vous sur le site d'Action et j'ai pas trouvé le prix. J'ai pas trouvé non plus les toiles 30 par 40, hein, que je dise pas de bêtises, oui, 30 par 40. Par contre, j'ai eu seulement le prix d'une 40 par 60, 4,99. Mais il faut savoir que d'une Action à un autre, les prix peuvent varier. Nous, on a aussi Action Belgique, pas trop loin. Et pareil, les prix sont jamais les mêmes qu'en France non plus. Mais d'une Action France à un autre, c'est également la même chose. On peut trouver des produits dans certains, on peut ne pas en trouver dans d'autres. Donc ça, c'est aussi toujours, toujours aléatoire. Voilà. Donc, je vais dérouler ma toile. Hop. Alors, c'est vrai que quand on vous montre du diamant painting, ça prend de la place. Alors, est-ce qu'elle a un sens? Bah oui, on va peut-être mettre les F à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Elle est super sympa, en tout cas il y a des couleurs que j'aime, hein. Moi je suis un girly, hein, j'aime le rose. Je suis vraiment curieuse de ce que ça va donner. Mais vraiment dans une maison sur des murs blancs ou autres, ça peut apporter un petit côté bien sympathique. En plus, j'ai une chambre qui était justement la chambre de Manon et qui est un peu dans le style, pas vintage, c'est pas ça que je veux dire. C'est, vous savez, les portes coulissantes métalliques avec des fenêtres en verre, enfin voilà, ce côté industriel, voilà, et ça pourrait vraiment voilà, se marier correctement avec ce style de pièce. Ouais, ça pourrait matcher, comme on dit. Alors, les symboles à première vue, ben, comme d'habitude, hein, Action. Alors, ce que j'aime, c'est que tout est super bien emballé, bien protégé. On nous présente le diamant painting dans une boîte, on a des super diamants. Et c'est toujours des prix très très attractifs, donc vraiment ça fait super plaisir, quoi. Alors, la feuille de route. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, ils nous donnent des consignes, hein, comment faire. Vous voyez, ici on est en français. Réalise ton propre tableau diamant. Conseil 1. Colle d'abord les petites pierres. Ça c'est génial pour ceux qui débutent, franchement c'est tip top. Alors c'est marrant parce que nous, c'est pas le langage qu'on utilise, hein, quand on fait du DP, on n'appelle pas ça les petites pierres.
Mais voilà, c'est très bien pour ceux qui démarrent, vraiment. Donc pour les débutants qui ne savent pas s'ils aiment le diamond painting, c'est de prendre une petite toile chez Action. Moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Prenez une petite toile pas trop chère. Parce que vous avez tout ce qu'il vous faut dedans, hein, vraiment. Et on n'est jamais déçu, hein, des produits Action. Je suis en train de dire, hein, le conseil de, il est parfois difficile d'insérer une petite pierre entre deux autres, déjà posées. Dans ce cas, il suffit d'appuyer plus fort pour insérer la petite pierre au milieu. En plus, il vous rassure au cas où vous auriez une pierre qui ne veut pas se mettre. Un petit diamant. Là, alors, on vous énumère les diamants qu'il y a pour cette toile-ci. Donc, elles vont être numérotées, hein. Le 1, par exemple, ça sera la pierre violette. Le 2, ça sera une pierre peut-être qui est beige, etc. etc. Donc on va compter jusque 6, c'est compté en chiffres, et ensuite de A à H, c'est énuméré en lettres. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 couleurs, 12 styles de pierres, on va dire différentes. Donc on va regarder ensemble les diamants de la toile. Alors, le petit toolkit de base. Alors, pour débuter, vraiment, ne vous cassez pas la tête à investir dans un super stylet, à moins que vous sachiez que c'est quelque chose chez vous qui est vraiment mais une passion, que vous allez en faire d'autres. Si vous vraiment. Après, voilà, c'est à vous de voir. Si vous voyez vraiment que c'est votre truc, voilà, on investit un petit peu à la fois. On change les barquettes, on prend des barquettes avec un bec. Le pain de cire, on a tous démarré avec ce pain de cire. Au début, on en était tous très contents. Et puis, on évolue, hein, on évolue dans son art, on va dire. Et petit à petit, on améliore son matériel. C'est un peu comme dans toute discipline, dans tout, dans le sport, dans nos loisirs créatifs. On améliore nos outils de travail. Voilà, donc je suis en train d'admirer le petit toolkit de gaz, de base de gaz, oulala, qui est présenté dans un petit sachet zip. Donc ne jetez pas vos sachets zip, ça peut toujours être très pratique pour ranger à la fin vos diamants. Alors ici, on a nos diamants. Je vais les ouvrir. Donc pareil, hein, ils sont emballés dans une pochette plastique. Donc vraiment, c'est le top. Alors ici c'est quoi? Parce que j'en ai encore à part, donc je sais pas, faut que je regarde ça bien. Et ce sont les mêmes diamants, à mon avis c'est durable. Hop. Alors excusez-moi pour le bruit, je recule au maximum, j'y pensais pas là à l'instant. Et j'ai dit, ah là là, les oreilles de tout le monde. Ouais, il y a des super couleurs, hein. Donc vous voyez, si on veut revenir à cette fiche-ci, je pense aux personnes qui démarrent dans le diamond painting. Vous voyez, ne vous référez pas aux chiffres qu'il y a là. C'est certainement au niveau du bain, de la série, de cette toile-ci en fait. Vous référez ici, sachet 1, c'est numéro 1. Et vous retrouvez, vous voyez, exactement la même couleur. Le 2, c'est bien celui-ci, c'est une couleur, on va dire, vanille, ça fait rêver. Couleur vanille. Le 3. Le 3, comme par exemple, vous avez 2-3. Pas de stress, c'est parce que vous avez une plus grande quantité en 3. C'est pas une erreur. Il vous manquera pas pour autant un sachet d'une couleur. Ensuite, on a le 4. Alors, je vais enlever ceci. Je vais vous les montrer aussi sur l'envers. Regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques. Pas de panique non plus, hein. Quand on a des sachets pas très remplis, ça veut dire qu'on a besoin d'une petite quantité. Oh là là. Il y a vraiment des couleurs très lumineuses. J'essaye de reculer vraiment, j'ai peur de vous casser les oreilles. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un mixte de diamants normaux, on va dire, et de diamants spéciaux. Donc on a du orange. Donc la partie argentée, c'est la partie qui vient se coller sur votre toile. Je pense toujours aux personnes qui démarre le diamond painting, hein, qui n'y connaissent rien. Il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par les loisirs créatifs et qui n'y connaissent rien. Donc il faut penser aussi à tout le monde. Donc un super joli bleu. On a du rouge. Il est très beau le rouge, il est un peu grenat. Alors ici, on a des gouttes qui sont argentées avec des reflets, on va dire
cristal. Ici, on a des gouttes plus grandes, des bleus. Et ici, on a des langues de chat qui sont pareil, cristal. Donc, je vérifie que j'ai bien tout. C'est assez rapide. Hein. Puis, comme tout est emballé chez Action, logiquement, hop, on arrive bien au H, qui est ma dernière couleur. Et j'ai bien tout de A à B, C, D, F et H. On n'a pas des fois, c'est normal. Hein, des fois, ils passent d'une lettre à une autre. C'est normal chez Action. C'est ce que j'ai déjà remarqué plus d'une fois. Par contre, j'ai ici des diamants en plus. Alors, écoutez, ils m'ont remis, en fait, j'ai un double. Ils m'ont remis tous les diamants spéciaux, j'ai du double. Vous voyez, j'ai ça en double. En plus petite quantité. Voilà. Donc, écoutez, hein, c'est top. A, B, C, D, F et H. C'est parce que les sachets sont plus petits. Donc, du coup, on a l'impression qu'il en manque un, mais non, ils sont tous bien là. Hop, alors, je vais les ranger après. Je vais ranger tout le petit bazar après. Je vais bien mettre avec ma toile. Donc, petit conseil, attention à vos diamants, à ne pas les perdre. Si vous voulez travailler, parce que ce ne sont pas des sachets zip, hein, c'est des sachets qu'il va falloir ouvrir et ça risque de se perdre. Donc, je vous conseille, si vous démarrez, de travailler avec des petites boîtes organisateurs, genre des petites boîtes piluliers. Pour démarrer, c'est ce que je vous conseille. C'est en plus, souvent, ils en ont chez Action. Sinon, vous pouvez en trouver dans des petits magasins. Alors, je vais prendre la toile suivante. Alors, hop, voilà. Toile suivante, je me remets en place. C'est sportif hein, de faire des vidéos. Voici la deuxième toile. Alors là, celle-là, j'ai aussi un énorme coup de cœur. Manon, voilà, à piocher en plein dans le mille. C'est une 30x40, pareil, toujours dans un emballage cartonné, hein, toujours dans un étui de carton. Donc franchement, c'est top. Regardez ce qu'elle va rendre. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Puis avec le contraste qu'il y aura autour en bleu, vraiment sublime. Ensuite, voilà, on nous énumère tous les diamants. Donc là, à mon avis, il y en a plus. Donc on va l'ouvrir. Hop. Petit ciseau, si tu veux bien pendiller. Hop. Voilà. Et on ouvre la boîte. Rien que déjà de voir la toile comme ça, je suis en admiration. Par contre, petite chose que je n'ai pas faite avec cette toile-ci, voyons Isa. On va regarder ensemble si elle colle bien. Pas de souci, c'est moi qui vous le dis, aucun souci à avoir, ça colle magnifiquement bien. On va vérifier par contre sur celle-ci, on va la mesurer, vu que c'est aussi une 30x40, on va voir si vraiment c'est toute la toile 30x40 ou si c'est avec les petits bords blancs. Voilà, alors le chat y est venu me rejoindre, il s'est posé, j'espère qu'il va rester sage. Il aime bien quand je fais des vidéos, il adore ça. Et quand je fais du diamond painting, il vient s'installer ici et puis il me regarde faire. Et quand je fais du point de croix, et ben monsieur s'installe à côté de moi au canapé. Voilà. Alors, vous savez, voilà, tout est emballé à chaque fois ensemble. Hein. Oh là 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 là, j'adore. C'est magnifique. Alors, un petit conseil également, vous voyez, vos toiles sont enroulées d'une façon, vous voyez, vous ne pouvez pas travailler sur ça. Donc, quand c'est comme ça, quand vous êtes prêt à travailler votre toile, c'est de venir tout simplement la rouloter dans le sens inverse et votre toile va vraiment rester à plat. Mais bon, moi, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien puisque je vais la remettre ensuite rangée dans son carton, dans son étui. Donc, si vous êtes embêté parce que le plastique ici, il est mal mis, vous revenez... Enlevez votre plastique et vous revenez poser tout simplement avec vos mains. Hop, vous y allez tout doucement et vous reposez. Mais le plastique a pris déjà des petits plis. Mais c'est pas grave, ça ne risque rien pour votre toile. Donc on va mesurer tout de suite pendant que j'y suis. Hop. Alors,
Bien sûr, il faut que je la pose bien à plat. Bon, attendez, parce que j'ai pas bien ouvert mon maître ruban, donc du coup, ça me facilite pas la tâche. Alors, nous sommes à 39,7 sur. Bon, elles sont déjà bien grandes. Hein. Il y a de quoi travailler, vraiment. Et 30. Donc, voilà. C'est quasiment la taille qu'on vous a donnée. Hein. Donc, voici. J'appellerais ça plutôt un nénuphar. Ça y ressemble. Hein. De toute façon, il ne donne pas de nom hein, de toile. Non, il ne donne pas le nom de la toile. Mais après, vous de l'appeler comme vous voulez, hein. Votre belle fleur. Donc, les symboles hein, sont toujours très, très clairs. Donc, ah oui, petite précision, hein, action, ce sont des diamants ronds. Voilà, on va regarder aussi la toile. Rien à dire de toute façon. J'ai jamais été déçue par les toiles de chez Action. Donc les symboles sont très clairs, à savoir qu'ils ne sont pas délimités par des petits cercles. Hein, c'est voilà. Toutes les écritures sont en noir pour certaines et blanches pour d'autres. Voilà. Elle est trop trop belle. Vous voyez? Magnifique. Magnifique toile. Alors je vais bien les ranger, bien ranger les diamants ensemble parce que j'ai pas envie d'avoir de surprise. Voilà. Elle est trop belle, hein. Qu'en pensez-vous? Alors ensuite, on nous énumère les diamants qu'on va retrouver dans notre kit pour fabriquer cette petite toile. Alors 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ça rigole pas sur cette toile. 27 couleurs. Trop belle. Et si vous avez un doute, hop, vous avez toujours ici hein, la petite légende avec la correspondance des diamants. On ne sait jamais si vous avez jeté vos petits paquets, vos petits sachets ribambelles. Au moins, vous avez tout le temps votre petite feuille de route. Alors, je suis embêtée par un cil. Hop, voilà. Alors, toujours, hein, le petit toolkit de base. Alors, c'est vrai que quand on fait du diamond painting depuis pas mal de temps, on en possède énormément. Mais bon, eux, voilà, quand ils vendent un produit, ils vendent des diamants avec de quoi travailler. Sinon, ça ne servirait à rien. Alors, je m'éloigne. Là, là, les couleurs, je kiffe. Aïe 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 aïe, j'adore. Hop, ma table commence à être bien envahie et après je vais tout bien ranger. Alors nous avons du blanc, du rose, donc hein, bien sûr hein, c'est numéroté à l'arrière, hein, pas de souci. Donc là la lettre X, la lettre V, U. Voilà, j'explique un petit peu toujours pour les nouvelles personnes. Alors ici on a un gris très clair, on a un brun, on a un corail, on a un bleu moyen, un bleu qui est clair mais à la fois gris, on a un rose, on a ici deux sortes différentes de orange. Hop, on a encore du marron. Alors est-ce les mêmes? J et K, pas du tout. Alors attention, vous voyez, ils se ressemblent énormément. Donc ne pas confondre, c'est pour ça que je vous conseille des petits pinceaux. Alors moi qui ne suis pas bleu-bleu, hein, vous voyez ce bleu. Alors il est un petit peu plus clair que ce que vous voyez à la caméra. Hein. Il tire vers le... On est d'accord, il tire vers le turquoise. Mais il est plus clair. Voilà. Ici, un bleu, c'est de même pour moi, pas du tout non plus, vous voyez, ils se ressemblent énormément, donc attention. Ici, on a un rose pâle couleur peau, on a un bleu ciel, bleu moyen,
On a un gris souris, on a encore une couleur qui ressemble à du corail. Et ici, une tripotée de roses, rose bonbon. Ah là là, sont beaux ces roses, magnifiques. Et ça peut être aussi un joli cadeau hein, à offrir à quelqu'un qui veut démarrer ou qui est attiré ou qui ne connaît pas. Ça peut être un joli cadeau à faire à prix réduit ou tout simplement offrir la toile terminée. Alors soit vous la laissez neutre ou soit vous venez la mettre dans un cadre. Vraiment, il y a plusieurs possibilités. Alors des violets, lilas, magnifique, un joli bleu pétrole, un lilas beaucoup plus clair et un rose pâle. Waouh, trop trop joli. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de diamants spéciaux. Non, pas de diamants spéciaux pour celui-ci. C'est que du rond. Ben, j'en vois pas le bout. Ça y est, ça y est. Alors je vais tout ranger ensuite, hein, parce que sinon ça va me donner... ça va faire du bruit pour vous et c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer ce que vous pourriez trouver chez Action. Et voici le dernier, non pas des moindres, parce qu'il est énorme. Voilà, et c'est un joli papillon, je ne sais plus comment il s'appelle, l'impérial, je ne sais plus. Je me souviens des petites cartes qu'on avait à l'école, en guise, quand on avait autant de bons points, 10 bons points, on avait une carte, et on avait souvent ce joli papillon. Voilà, il est ici. Et je l'adore ce papillon, vous le retrouvez également sur la toile point de croix de ma belle endormie. Magnifique. Donc ici, c'est un 40 par 60. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau de la taille, au niveau de la quantité de diamants. Voilà, donc je regarde, je vais ouvrir la boîte. Hop, le scotch, j'ai su l'ouvrir. Hop là. Waouh, les couleurs, magnifiques. Moi, dès que je vois des couleurs comme ça, moi, ça me parle. J'ai encore quelques petits sachets en rap qui étaient mis au fond de ma boîte. Je vais bien mettre comme il faut. Hop, c'est la première fois que je trouve des sachets comme ça en dehors du packaging hein, avec la toile. Alors, je décale. Alors, aujourd'hui, le temps n'est pas terrible, donc j'ai dû un petit peu allumer. Alors peut-être que vous ne vous rendez pas compte à la caméra et c'est tant mieux, j'espère, parce que sinon il faut toujours attendre je ne sais quelle heure pour pouvoir filmer. Et après, ben, il y a la maisonnée, comme on dit, qui se réveille et puis on ne peut plus filmer. Oh, magnifique. Waouh. Je suis impressionnée par les couleurs. Alors, va-t-on savoir tout bien déballer pour que vous puissiez voir? Ça, c'est la question que je me pose. Manon me donne du travail, dis donc. Moi, j'ai encore plein de toiles à vous présenter. J'y reviendrai après. Donc, le toolkit de base avec notre stylet rose, notre barquette verte et le pain de cire. Hop, ensuite, nous avons en étui nos diamants. Et j'y avais ceci en plus dans la boîte. Donc on va regarder les diamants après. On a la feuille de route. Donc ça c'est un sacré bon point pour Action. Ils nous mettent toujours cette jolie feuille de route. Et en plus si vous aimez coller dans un cahier bah, les toiles que vous avez, que vous allez faire, eh ben voilà, hein, vous avez la photo. En plus c'est vraiment la photo diamant painting. On voit que c'est des diamants. Trop trop bien. Alors, cette toile s'arrête à 8, et après on a A, B, C, D, etc. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 couleurs. J'écoute les bruits parce que je me demande si ma fille se réveille pas. Là, c'est les voisins. Donc effectivement, c'est ma fille qui se réveille. Donc on va voir ensemble au niveau de la colle ce que ça donne.
Oh, moi, mon doigt, elle colle superbement bien. Rien à redire comme d'habitude. On va mesurer notre toile qui, logiquement, est une 40 par 60. Donc, on va ouvrir un peu plus le mètre ruban. Hop. Alors, je pose bien à plat ma toile. Hop. Voilà. On y arrive. Alors, on est à 59,7. Ça fait exactement la même chose que l'autre. Ça nous mange quelques petits millimètres. Voilà. Hop, 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 hop. Et on a 40,1. 40 par 60. Donc, oui. Vraiment, dans un sens, on a gagné 1 mm. Et dans l'autre, on en a perdu quelques-uns. Donc c'est pas foufou quoi, c'est rien de grave. Donc voilà la jolie toile. Je vais la mettre sur le côté, je sais même plus où mettre mes affaires tellement il y en a plein. La table, je vais la plier un peu comme ceci en attendant. Parce que maintenant on va regarder ensemble les diamants. Habituellement je ne montre pas quand c'est des diamants normaux, mais je trouve quand même intéressant de vous montrer, de vous faire profiter des diamants de cette jolie toile. Alors ici, ce sont des pochettes de diamants beaucoup plus grandes, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, elles sont très très larges. Vraiment très larges. Alors, ici, on a alors avec des reflets, ce qu'on appellerait des diamants AB. Donc, on a un beige avec des reflets couleur cristaux. Hein. On a du vert. Alors, c'est peut-être les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Voilà, donc un vert ici plus foncé. Ensuite, on a, je vais essayer de replier assez vite, on a un bordeaux, un vert foncé, un rose clair, on a un jaune AB. Hop, je vais déjà replier comme ceci. Je pense déjà au rangement de mon diamant painting. Comme vous avez pu voir, j'en ai beaucoup à ranger. Ici, un orange plus pâle. Ici, un orange super, super lumineux. Celui-ci, un peu plus soutenu et très, très lumineux. On a beaucoup de rouge. Voilà, je vais replier. Hop. Je vais continuer. Alors, regardez-moi ces roses. Oh, ils sont super beaux. De toute façon, vous voyez la différence, hein, celui-ci est beaucoup plus pâle que celui-ci. Voilà, trop trop beau, hein, vraiment. Donc là, c'est tout ce que j'aime là. Ici, on a un rose beaucoup plus qui tire vers le rose rouge. Ici, on a un violet moyen, un violet plus foncé, un gris. Un rouge qui tire vers le bordeaux, vous le voyez beaucoup plus rouge, mais il tire vers le bordeaux. Un gris moyen, ouais, elle va être très très belle cette toile. On a du noir, du 310, donc c'est pas du 310 AB, c'est hybride, il brille super bien. Vous voyez, les diamants sont très brillants. Et on a ici du violet parme, très très belle couleur. Hop, donc c'est dans les, je pense que ce sera certainement dans les ailes du papillon, on aura de l'éclat avec un peu d'AB, je trouve ça trop trop bien. Ici, je ne mélange pas tous les os parce que alors là ça va être la catastrophe. Et on a du rabais, du 4, du 6 et du 7. Voici les couleurs en rab. Donc je suis très très contente, merci Manon, merci ma chérie. Elle me gâte tout le temps, mes filles me gâtent tout le temps. Je suis pourri gâtée par mes enfants. Donc ça me fait super plaisir. Et ça m'émeut à chaque fois. Voilà. On est maman à temps plein. Même si elle habite plus ici, bah elle me manque, c'est sûr. Mais je la sais heureuse. Et c'est le... Ouh, excusez-moi. C'est le principal. Je vous avais dit que j'étais émotive. Hein. Oh là là, voyons Isa. Bon bah voilà.
Les émotions montent comme ça. C'est la fatigue aussi. Hier, on a travaillé en famille pour préparer l'anniversaire surprise de son chéri à Manon. Et on est parti début d'après-midi. Je suis rentrée, il était pas loin de 20 h. Et on n'a pas arrêté une minute. Et puis voilà. Donc, ce sera bien sûr des diamants de painting que vous allez voir au défilé sur la chaîne. J'en ai encore plein à vous montrer que vous avez vu aussi en partenariat. Et que je me dois de vous présenter ainsi que pour mes sociétés avec qui je suis en partenariat, c'est normal. Et vous savez hein, que toute créativité prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, eh ben, voilà, je suis en train de penser à ma petite séance émotion, je suis désolée, excusez-moi. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et je peux pas, voilà, j'ai que deux bras. J'aimerais en avoir d'autres, j'aimerais être une pieuvre, mais c'est pas possible. Donc voilà, je vous présente au fil du temps, dès que je peux vous présenter un produit en création avec vous, que ce soit accéléré ou non, ou en blabla, ou en musique. Voilà, vous verrez tout ce que vous avez pu voir à ce jour sur la chaîne, mais il me faut du temps. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing anniversaire à Action de chez Action vous aura plu. Et puis moi je vous embrasse bien fort et voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.